bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, en direct on va analyser avec vous euh, bah, les crypto monnaies majeures et surtout vos cryptos parce que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me demander Romain tu penses quoi de ci tu penses quoi de ça etc etc euh, donc voilà j'espère que vous m'entendez bien si vous pouvez juste me confirmer je suis à la maison j'ai mis le casque avec lequel je joue à 16 go parce que le micro est au bureau voilà pour tout vous dire pourquoi je suis euh, casqué il n'y a pas de lézard ce qui compte c'est le contenu c'est pas grave comme disait ma grand-mère euh, la bille ne fait pas le moine, euh, donc voilà, juste être sûr que vous m'entendez bien, si vous pouvez me le mettre dans le chat, euh, c'est cool, en tout cas, euh, salut coach, on t'entend très bien, oui parfait, ok, alors je ne vais pas trop lire les questions, on fera un panel questions réponses dans la seconde partie de cette vidéo, euh, voilà, comme ça, ça va être un petit peu plus fluide, donc je ne vais pas trop trop lire vos questions tout de suite, je relirai vos questions dans, une, dans la dernière partie, on va dire le dernier quart d'heure de cette vidéo, et ce que je vous propose, je vous avais fait une vidéo la dernière fois sur Binance, Comment on ouvre un compte sur Binance, comment on met de l'argent, comment on achète des cryptos, comment on échange des cryptos. J'ai essayé de vous faire un tuto relativement complet. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez sur la chaîne YouTube, tout simplement. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous avez la vidéo Binance, le guide complet. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, elle a fait pratiquement 5000 vues. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'effectivement... Vous avez mais oui, bah, c'est pas grave, un pouce rouge, c'est pas grave, François. Il faut, il faut, il faut accepter qu'on peut ne pas plaire à tout le monde. Ça fait partie de la vie, il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, on va commencer par faire un petit point sur mon portefeuille crypto. Quels sont les cryptos que je possède? Pourquoi je les ai achetés? Euh, Est-ce que je vais les garder? Est-ce que je vais les vendre? Quel est mon objectif? Jusqu'où je pense que ça peut monter? Comment je vais faire? Euh, déjà, ça va nous prendre une bonne vingtaine de minutes et ensuite, je vous montrerai les cryptos que je surveille et on vous demandera d'analyser vos cryptos et c'est à ce moment-là que je vous demande. Je vous demanderai d'intervenir. Juste avant, on est sur mon compte Binance et QCoin. Sur QCoin, j'ai que le fameux UOS que j'ai acheté à 0,10. J'ai mis 800 dollars, hein. je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis 800 dollars à l'époque. Et vous voyez, on est à 5000 dollars. Donc moi, quand je parle de quelque chose, je montre. Il n'y a pas de pipo, il n'y a pas de blabla. Quand on parle de quelque chose, on montre toujours les faits. Donc, UOS, je l'ai acheté. Alors, on doit retrouver peut-être l'historique. Je l'avais retrouvé la dernière fois. Euh, ça doit être dans Trading, je pense. On va regarder ça. On va aller sur le UOS. <laughs> voilà, on doit peut-être retrouver l'historique des transactions. C'est pas là. On va retrouver ça, vous inquiétez pas. Je cherche juste. C'est juste pour vous montrer qu'ici, voilà. On... On parle des choses qu'on connaît. Et quand je vous dis d'acheter une crypto, bah c'est surtout que je l'ai acheté Trading Spot. Voilà. Ce n'est pas le trading avec marché, du trading spot. C'est pour ça que l'on ne retrouve pas les choses. Alors, vu dans ce temps historique des ordres, ta 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 ta, ta pourquoi je ne l'ai pas Voilà. Donc j'ai 4933 dollars alors que j'avais passé. Ah bah oui, il faut que je mette mon petit code. C'est pour ça, le coquin. Ben bah oui, bien sûr. Euh, les derniers, hein, trois derniers mois, je ne sais pas si je peux avoir ça. <laughs> Bref, ce n'est pas très très important. Ce qui compte, c'est qu'on sache qu'effectivement, j'ai acheté euh, l'UOS à 0.10. On va retrouver mon portefeuille, ordre actif, compte de trading. Voilà, j'étais dessus en fait. Je suis un peu bébête. Euh, voilà, donc j'en ai 7172 des UOS que j'ai acheté à 0,10 et j'en ai pour 5000 dollars. Donc rien que là-dessus, déjà c'est cool. Ça fait plaisir euh, bah, de gagner de l'oseille comme ça sur les crypto-monnaies. Alors, ça, c'est mon compte Binance, pareil, avec les cryptos que j'ai. Hein, donc, on les reconnaît toutes les Lina, les Ave, les Polkadot, les Huma, les IOS, les Swipe, les Theta, etc. Moi, je monte toujours. Je ne vous montre pas la somme parce que ce n'est pas forcément euh, super intéressant de savoir si j'en ai pour 1000 euros ou pour 100 000 euros. Ça, c'est chacun euh, son truc. On va commencer évidemment par le boss. On va commencer par le Bitcoin. Euh, c'est ça, Koudou. Tout à fait. Exactement. On s'en fout. On va commencer par le Bitcoin. Du coup, euh, bah, le Bitcoin, toujours en tendance haussière, évidemment, regardez cette belle moyenne mobile 50, qui est super intéressante, euh, qui fait le office de support dynamique, comme on peut le dire. C'est quoi un support dynamique Je vais essayer de vous mettre en plein écran, ça sera peut-être un petit peu mieux. Euh, support dynamique, je suis sur TradingView, au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour moi l'une des meilleures plateformes d'analyse quand on n'a pas forcément de compte sur ProAltime ou autre. Euh, TradingView, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que d'un côté, c'est pas cher. Et pratiquement même gratuit, je crois même pour la crypto. Et vous avez beaucoup d'indicateurs, etc. Et la version payante, elle doit être à peu près à 20 dollars. Et là, vous pouvez faire des listes, vous pouvez mettre tous les indicateurs que vous voulez, etc. Le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Euh, du coup, vous voyez, moi, je n'utilise pas, pas trop d'indicateurs, j'utilise le RSI simplement pour les divergences. Euh, quoi qu'il en soit, le Bitcoin, il est toujours en tendance extrêmement haussière. Euh, il y avait une divergence hebdomadaire, on va essayer de la mettre. Euh, ouais, donc, je ne peux pas, il faut que je passe en. Euh... Pas grand écran du coup, bon bah c'est pas grave, on va rester comme ça. Il y avait une divergence hebdo qui s'est validée il y a quelques semaines déjà. La première qui était ici, voilà, vous la voyez avec les deux pics sur le récit. Forcé de constater qu'elle n'a pas fonctionné, même si finalement bah, le bitcoin il cale sous les 60 000 dollars. Hein, ça fait un moment qu'il qu est là, euh, donc elle ralentit un petit peu le mouvement. On va dire que les divergences sont plutôt un signal d'épuisement de tendance. Donc là, on le voit, puisque on est depuis euh, finalement euh, début février. Dans la même zone de prix, avec il y a eu une première baisse effectivement la semaine du 22, mais ça s'est tout de suite repris. On a fait un plus haut historique. Et il y a une deuxième div qui est moins jolie. Pourquoi j'aime moins cette deuxième divergence? Euh, parce que bah, il y a déjà un pic sur le RSI. Je vous explique. 1, 2, 3, 4 bougies. Déjà, c'est un petit peu limite. Et du coup, vous voyez ici sur mon RSI, j'ai déjà un plus haut précédemment. Donc je ne vais pas trop la prendre en compte pour le moment. On est obligé de constater que euh, bah, en daily. Euh, le Bitcoin, il est extrêmement haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. C'est intéressant de voir également que les points hauts et les points bas sont de plus en plus hauts. Ça, c'est la fameuse théorie de Do. C'est les bases de l'analyse technique. C'est tout bête mais ça montre un petit peu bah, la tendance en fait, on dit qu'une tendance elle est haussière et eh bien quand les plus hauts sont de plus en plus hauts euh, et quand les plus bas sont de plus en plus bas, à partir du moment où on fait un plus bas plus bas que le précédent, et eh bien là effectivement ça sent la merguez comme moi je dis, ça veut dire qu'on a une probabilité et en tout cas on a une tendance qui se retourne là pour l'instant les derniers pics, les derniers euh, creux, donc les derniers plus hauts les derniers plus bas sont de plus en plus hauts, donc pour l'instant la tendance est toujours haussière et on a du coup cette moyenne mobile 50 qui est extrêmement solide qui fait son job de support dynamique. Donc, tant que le Bitcoin sera en tendance haussière, eh bien, ça boostera le marché et on aura ces cryptos, les plus petites cryptos, les altcoins comme on peut les appeler, euh, qui continueront à monter et il y aura des belles affaires à faire. Si jamais, et c'est mon point de vue encore une fois, là ce soir, je suis là juste pour exprimer mon avis, mon point de vue avec mon beau casque et mon beau fil vert fluo, euh, même si on a des cryptos qui évolueront évidemment dans l'autre sens, globalement, c'est important de surveiller le Bitcoin. C'est un peu comme un indice. Hein. Si vous regardez le Standard Poor's, eh bien vous allez pouvoir avoir une idée de ce qui peut se passer sur les actions et vice versa. Si demain on a les actions qui dégueulent, eh bien on aura le Standard Poor's qui baissera. Bah, C'est un peu la même chose avec les cryptos, Le Bitcoin reste le boss, bien que sa dominance puisse euh, varier. Et eh bien pour l'instant, il est en pleine bourre, donc ça booste le marché euh, altcoin. Si demain le Bitcoin nous fait un plus bas, plus bas et continue à baisser, et rentre dans une phase de consolidation voir en tendance socière, eh bien euh, on aura on aura euh, un marché global je pense qui euh, corrigera. Il est aussi alors la question euh, magique la question à 10 000 euros c'est est-ce que c'est le moment de rentrer sur le bitcoin. Moi j'en avais un paquet je vous dirai encore une fois pas combien on s'en fout euh, mais je les ai vendus un peu tôt. Je les ai vendus un peu tôt j'ai gagné quand même pas mal d'argent c'est pas la question mais je les ai vendus un peu tôt j'ai pas profité de toute cette hausse. Dieu merci, je me suis rattrapé entre guillemets sur toutes les autres cryptos que j'avais en portefeuille et que j'ai pu acheter, mais j'ai plus beaucoup de Bitcoin pur, euh, donc je suis un peu frustré. Je suis peut-être un peu comme vous. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais je suis un petit peu euh, euh, en mode euh, ouais, bah, dommage. Quoi. Donc euh, j'ai d'un côté une partie de moi qui a envie de rentrer dedans, mode euh, les couilles, c'est bon, j'achète. De toute façon, j'ai entendu dire qu'il irait à 100 000. Et de l'autre côté, il y a le côté un peu plus raisonnable le côté un peu analyse technique, euh, qui me dit, attends, attends, attends un bon point d'entrée dans la tendance, là pour l'instant, effectivement, il y avait eu un beau petit point bas euh, il y a quelques jours, bon, soit la moyenne mobile 50, je l'ai raté, il faut attendre un repli, je pense, pour essayer de se positionner, ou du coup, la cassure du précédent plus haut. Donc quelles sont les zones que je vais surveiller Et eh bien dans ces moments-là, on trace des niveaux, donc on va tracer un niveau horizontal peut-être sur le précédent plus haut, ici, en clôture daily. Donc, la clôture au-dessus des 61 000 dollars serait un signal d'achat intéressant pour ceux qui veulent prendre un petit risque, qui sont un petit peu, comme on dit, euh, euh, spéculateurs et qui ont envie de rentrer parce que quand on casse un plus haut historique, c'est un signal d'achat. Ça veut dire qu'on va faire un nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi sur le Bitcoin, c'est qu'on a constaté qu'il y avait de moins en moins de Bitcoin en circulation dans les plateformes d'exchange. C'est-à-dire que il y a beaucoup de crypto Fan. Il y a beaucoup de gens qui sont investis sur le Bitcoin. Je vous en ai déjà parlé il y a deux ans hein, sur la chaîne. Euh, tout ce qui est fonds d'investissement, les JP Morgan, les Morgan Stanley, les Jean-Jacques Goldman, Sachs, tout ça, ils sont tous rentrés dedans. Euh, et du coup, ces gens-là, comme on dit, hold. Donc, ils gardent leur crypto-monnaies. Donc, les gros portefeuilles ont monopolisé les cryptos en circulation le Bitcoin en circulation surtout, et il y a de moins en moins de Bitcoin en circulation sur les exchanges, ce qui fait que naturellement son prix monte, parce qu'il y a une sorte d'auto-rareté, euh, déjà par le fait qu'il n'y en a que 21 millions qui existeront euh, au niveau fabrication même du Bitcoin, mais aussi parce qu'aujourd'hui en termes de circulation, il y a de moins en moins de crypto-monnaies et de Bitcoin surtout qui circulent sur les plateformes d'exchange, donc il y a une, un effet rareté qui fait que ça pousse naturellement les prix. Donc voilà. Pour l'instant, la divergence hebdomadaire n'a pas fonctionné. Euh, le bitcoin est toujours haussier, il a fait un plus bas plus haut que le précédent. Il faudrait qu'il confirme en cassant les plus hauts historiques ce qui pourrait devenir un signal d'achat pour pouvoir justement faire un petit trade court terme. Moi, ce que je m'amuse à faire sur le bitcoin, encore une fois, pour faire ça, s'il vous plaît, ne le faites qu'avec une partie de l'argent que vous pouvez vous permettre d'investir, voire de perdre, parce que c'est un peu rock roll. Ce que je fais, c'est que je fais des petits trades court terme, comme des petites divergences dans le sens de la tendance. Petite divergence haussière, rappelez-vous, hein, vous étiez sûrement là quand on en a parlé en live sur une zone de support qui avait eu lieu ici. Regardez, divergence une heure, on a pile poil été chercher le TP de 50%. Je m'amuse à faire des petits trades de court terme comme ça. On peut remarquer aussi, c'est toujours facile vous allez me dire de faire le passé, mais on peut remarquer aussi une belle petite vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 qui a marché et qui a pratiquement fait son take profit. Donc ça c'est le genre de setup sur lequel vous pouvez peut-être vous positionner. Peut-être pas acheter maintenant le Bitcoin en mode long terme parce qu'on n'est pas encore au-dessus du plus haut précédent, la tendance est haussière, mais on n'a pas vraiment fait de repli suffisant pour avoir un prix alléchant. Mais par contre, travailler des petits replis intraday sur euh, des niveaux clés ou des setups que vous connaissez, que vous avez appris avec moi, euh, qui peuvent être euh, par exemple euh, des, des vagues de Wolf, des divergences des W, ça c'est intéressant. Euh, je regarde rapidement hein, peine, hein, les pouces rouges, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Qui nous mettent des pouces rouges? J'adore euh, les fibos. Alors, justement, c'est une bonne question de François Xavier. La divergence, elle est, elle est invalidée, oui, parce qu'on a fait un plus haut historique dans l'absolu. Moi, c'est mes critères. Plus haut après la diff, elle est invalidée. Là, on peut prendre son petit Fibonacci, effectivement, c'est très intéressant. On prend son Fibo. Alors, il faut juste que je le trouve où il est le Fibo sur TradingView. Voilà, il est là on prend le plus bas de la dernière accélération, on prend le plus haut hebdo. Donc oui, effectivement, en cas de correction, en cas de retournement euh, de la tendance euh, long terme, hein, on ne sait jamais, hein, le Bitcoin, il peut d'un seul coup, euh, et il l'a fait en 2017, il l'a fait en 2018, on ne sait jamais, si jamais on casse le plus bas précédent, les 51 100, et qu'on casse la moyenne mobile 50, donc en faisant un plus bas, plus bas, et un plus haut, plus bas, bah, on rentrera dans un marché dit correctif, et eh bien là, oui, tu as raison, il faut surveiller les points. Fibonacci, notamment la zone 50%, qui est déjà un premier palier, et la zone 61.8. Moi, pour tout vous avouer, je m'attendais à une petite conso euh, en mode vague d'Eliot. 1, 2, 3, une vague 4 qui viendrait corriger. En général, on vient se rapprocher du plus haut cassé précédent. Donc je m'attendais à un retour sur les 20 000, puis derrière euh, les plus hauts. Mais faut pas oublier que le contexte mondial, le contexte économique, fait qu'il y a de plus en plus de grosses mains qui privilég privilégient le bitcoin. Déjà, il y a beaucoup de bonnes nouvelles entre euh, Tesla qui accepte le Bitcoin, euh, la une News, euh, c'est Visa, je crois, qui est capable d'accepter l'USDT. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'excellentes nouvelles du côté du Bitcoin. Le dollar, en plus, qui est un peu euh, euh, mis en difficulté par la politique de la banque centrale américaine, euh, qui l'affaiblit et qui, mine de rien, fait mécaniquement monter le prix, puisque quand vous avez quelque chose, imaginons ce téléphone. Ce téléphone vaut par exemple 1000 dollars. Imaginons. Ce qui doit être à peu près son prix d'ailleurs. Imaginons, j'exagère exprès, mais pour que vous comprendre bien, demain il y a de l'inflation et le dollar ne vaut plus le même prix. Le dollar chute. Naturellement, ce téléphone va valoir plus de dollars puisque lui, il n'a pas changé de valeur. Bah, la baisse récente du dollar, le fait que les banques centrales puissent justement avoir ces politiques monétaires très accommodantes, mettre, injecter de la liquidité dans le marché, faire tourner la planche à billets comme on dit, fait qu'il y a un effet mécanique qui pousse d'une part le Bitcoin et qui en plus a, va avoir comme effet d'une sorte de perte de confiance envers euh, les monnaies traditionnelles euh, au privilège euh, des crypto-monnaies, avec notamment aussi les news, hein, les tensions qui peuvent y avoir géopolitiques euh, à l'époque Trump aussi etc. Donc euh, tout ça fait que un peu finalement comme euh, les, 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 les milliards que notre ami Joe Biden injecte donne aux Américains qui ont déclaré que 30% de cette somme irait dans les actions, il y a un tsunami de liquidité du côté des actions, va bah, un peu pareil du côté des crypto -monnaies. Donc pour l'instant, moi je dirais <laughs> OK tracteur, merci de l'info. Moi je dirais le Bitcoin est toujours haussier, attention au timing, ce n'est pas le meilleur timing pour acheter, on n'achète pas sur un coup de tête, il faut attendre un repli ou en tout cas la cassure du plus haut précédent qui serait un vrai signal. Si vous avez des coronesses, vous pouvez vous permettre peut-être sur des signaux un petit peu plus court terme comme du 4 heures comme du 1h, vous permettre quelques euh, achats court terme sur des divergences haussières, sur des petits replis intraday. Et euh, tant que le Bitcoin sera dans cette tendance-là, tant qu'on aura la moyenne mobile 50 qui viendra supporter dynamiquement sa hausse, eh bien, tout l'ensemble des crypto-monnaies euh, viendront euh, continuer à monter également. Voilà. Donc, donner un objectif, c'est un peu compliqué, hein, puisqu'on est sur des plus hauts historiques, 70 000, 80 000, 100 000. 200 000, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je vous avais déjà dit quand il était à 3 000, je vous avais donné 36 000 comme objectif. On les a largement dépassés. Là, on est à 61 000 dollars. Bravo Bitcoin, ça fait plaisir mine de rien. On est passé, nous les crypto fans, par des épreuves techniques, surtout quand on a commencé à vraiment, on va dire, investir pleinement dedans vers les années 2017 à 8 000, 12 000 quand on a connu la baisse derrière à 3000 bah c'est vrai que tu fais un peu dans ton dans ton pantalon et puis ensuite la première vague de remontada la cassure des 10400 et ça vous connaissez l'histoire après c'était fabuleux donc je dis pas que je suis le plus fort je dis juste que sur ce genre d'actifs soit vous faites du très court terme et vous êtes capable de sortir rentrer rapidement euh, et de prendre votre argent soit vous faites du très long terme justement et euh, le billet que vous mettez sur la, la crypto-monnaie, eh bien, vous n'y touchez plus. Moi, je peux vous donner un conseil ce soir. Si justement vous avez envie d'investir dans le Bitcoin euh, sans forcément vous prendre la tête à regarder les graphiques toutes les cinq minutes, ce que vous pouvez faire, vous allez sur Binance, vous mettez en place la partie épargne automatique. Vous mettez un billet de 100 euros tous les mois sur le, sur le Bitcoin et automatiquement, Binance va vous débiter 100 euros et va vous mettre 100 euros tous les mois sur le Bitcoin. Au moins, voilà, vous allez investir par étape, par accumulation. Si vous aviez fait ça depuis euh, quelques années, eh bien votre investissement aurait été pas multiplié par 12 mois, mais aurait été multiplié par beaucoup plus puisque le Bitcoin s'est envolé. On parlera également des alternatives dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire euh, pour justement diversifier tout en restant dans l'écosystème crypto <laughs> Voilà pour le Bitcoin. Alors, euh, on regardera un petit peu, hein, on entend parler. Là, là, là. Euh, 48 000, euh, pff, un support à 48 000. Alors, on va regarder ça. Ouais, bah, c'est la moyenne mobile 50, notamment. Alors, un support, il ne faut pas oublier qu'il faut trois euh, points de contact pour que ce soit support. Là, est-ce que euh, j'ai un support avec trois points de contact Je n'en suis pas sûr. Alors, a, à la limite, on avait un petit support court terme ici où il faut faire attention. 1, 2, 3, 4 points de contact quasiment cassé et pullback en cours. Donc si vraiment on veut prendre ce quelque chose de logique en analyse technique avec deux trois points de contact et plus, il y a éventuellement ce petit support court terme qui a été cassé puis pullbacké. Après <coughs> voilà, là on soit c'est une fausse cassure et on va repasser au-dessus, soit évidemment ça va dégueuler, mais les trucs diagonales un peu moins fan, Si on prend ce support là, euh, pour moi, il a que deux points de contact majeurs. Donc c'est pas quelque chose de sérieux d'autant qu'ici, on touche pas donc, les supports comme ça, où il y a que deux points et ça touche pas au milieu, pff, ça m'intéresse pas. Le seul petit truc où je serais un peu joueur, ce serait ce support oblique ici, là, qui est pété, comme je viens de vous le montrer, avec le possible pullback actuel. Là, bon, ce serait magnifique, hein. Comme on dit, ce serait comme dans les bouquins. Mais bon, pour l'instant, tenons-nous à la théorie d'eau, tenons-nous aux zones dites, euh, horizontales. On a un niveau support à peu près ici. On a une zone qui peut aussi faire polarité un petit peu plus bas. Euh, ça, c'est des beaux niveaux qu'il faut surveiller. Et pour l'instant, la tendance est toujours haussière avec une divergence qui est invalidée. Donc euh, donc voilà, on va, on va pas passer 500 ans sur le Bitcoin. Je vous demanderai vos cryptos dans la seconde partie. Je vais d'abord vous faire mon portefeuille, vous expliquer où est-ce que je suis rentré, pourquoi. Et comme ça, vous aurez toutes les informations. L'Ethereum, l'Ethereum, donc il suit euh, notre tonton euh, BTC. Euh, pareil, toujours une tendance extrêmement haussière. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Euh, ce pullback, on l'avait donné, on en avait parlé euh, maintes et maintes fois sur la chaîne. Regardez cette zone de polarité. Voilà pourquoi vous devez apprendre à tracer les zones. C'est vrai que quand on démarre au début l'analyse technique, on a tendance à faire des niveaux un petit peu partout, euh, d'aller tracer des choses diagonales, des trucs, des cassures, des machins, et se compliquer la vie. Euh, L'idée, c'est que l'analyse technique vienne nous simplifier notre prise de décision, et pas nous la compliquer. Non, je parle dans une approche swing trading, voire investissement long terme. Le premier truc que vous devez apprendre à tracer, ce sont ces zones-là, ce que j'appelle des zones de polarité. C'est des niveaux. Qui ont fait support et résistance, ou résistance et support. Et là, regardez en hebdo, <coughs> il y avait un point d'entrée, on en a parlé euh, mille fois. Regardez-moi ça, ce point d'entrée absolument fabuleux. Ancienne résistance historique, justement, des années euh, 2017-2018, 1370 dollars en clôture hebdomadaire. Bon, après, bon, il se passe ce qui se passe, des années, euh, on merguez, ça accélère, ça accélère. Petite réaction de baisse, paf, on casse, et regardez, on est venu se réappuyer. Regardez en délit, c'est quand même incroyable on est venu se réappuyer exactement dans ce niveau qui était un niveau d'entrée, un niveau très très intéressant. Euh, donc évidemment, si dans les jours à venir, on vient casser cette zone par le bas, eh bien, il faut arrêter d'acheter euh, de l'Ethereum, mais là, regardez comme il est puissant aujourd'hui, il reprend 8,60, il se permet même de casser ce que j'appelle moi un fanion. Donc pour moi, l'Ethereum, il va aller beaucoup plus haut, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, s'il casse son fanion, bien sûr, qui est un petit peu exagéré, mais vous connaissez peut-être pas la règle d'un fanion. Un fagnon, un fagnon quand c'est cassé, on est censé reporter la hauteur précédent l'entrée dans le fagnon. Ce qu'on appelle le MA depuis que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc le MA, on est obligé de le démarrer ici, mais parce que c'est plus facile à tracer, on va le prendre là. Donc si jamais on casse ce fanion par le haut, vous pouvez enregistrer cette vidéo. Moi, en tout cas, je vais remettre une couche sur l'Ethereum et ça nous donne techniquement parlant. Encore une fois, on parle d'analyse technique. C'est pas du sûr de chez sûr de chez sûr. C'est de l'analyse technique. Ça a une probabilité de succès et d'insuccès. succès. Mais moi en tout cas, je remettrai une couche si on casse ce fanion par le haut. L'objectif théorique de la figure, c'est 3200 dollars. OK Donc si vous avez des Ethereum, ne les vendez pas tant qu'on ne repasse pas en dessous de ma zone de polarité des fameux 1400 dollars et faites comme vous voulez, c'est à vous de prendre vos décisions, mais moi, si on casse le fanion par le haut, je remets une couche sur l'Ethereum, je remets un billet parce que l'analyse technique nous dit que un fanion est en cours de formation et en cas de cassure, c'est un signal très puissant de continuation de la tendance et je viserai comme objectif moyen terme les 3200 dollars. Voilà pour l'ethereum. Il y a une opportunité qui se décide, il y a une opportunité qui se met en place. Vous savez quoi faire, vous savez quoi surveiller et bah euh, ben voilà. J'ai aussi du iota, donc le iota c'est évidemment cuit en termes de timing. On l'a acheté très très bas le iota. J'ai du solana. Là, je suis obligé de, de remercier euh, mon ami Marc, euh, qui m'a parlé du Solana, c'est de bonne guerre, je lui ai parlé du Teta, il m'a parlé du Solana, c'est comme ça, euh, la vie, hein. c'est aussi des échanges, on ne va pas parler de sentiments ni d'amour. Euh, bien sûr, les fondamentaux sont extrêmement importants, c'est même eux qui font monter les prix, C'est n'est pas ce que je disais. Mais euh, voilà, moi je trouve que sur, dans le milieu francophone, de l'analyse technique du trading des, des cryptomonnaies, monnaies eh bien c'est plutôt cool quand on voit que les gens peuvent unir leurs forces et justement vous donner encore plus de choses. Le Solana on l'a acheté à 1,90 euh, voire 2 à peu près en hein, cassure de range. Euh, non c'était cassure de la petite résistance oblique. Voilà c'est ça 1,90 et 2,26. Euh... Voilà quoi. Solana j'ai fait x10 j'ai fait x10. Donc si vous avez du Solana si vous avez du Solana ne vendez pas. Ne vendez pas parce que là aussi, on a cassé un fanion, qui est intéressant. D'ailleurs, je surveillerai l'éventuelle cassure, pullback de ce fanion. Si jamais on revient chercher sur une consolidation, la zone des 14,90, c'est un très beau niveau. Euh, là, nouveau record historique hier, x 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très rare, x 10 sur un actif classique type action ou autre, x 10. Donc surtout, s'il vous plaît. Si vous êtes dans le Solana, ne le vendez pas. Qu'est-ce que je vise comme objectif minimum Eh bien, on reprend ce DeFanion. Et je pense comme marque que le Solana, qui va fonctionner euh, sur de la preuve, euh, pas de la preuve de travail, c'est de la preuve d'enjeu, de la preuve of history, je crois, euh, eh bien, remplacera à long terme l'Ethereum ou va proposer une vraie alternative. Ce qu'il faut savoir, c'est que la euh, finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi dans le jargon, donc ce sont les services financiers actuels. Faire des crédits, mettre son argent en épargne, euh, faire du trading, l'assurance, ça explose au niveau décentralisé. Donc, c'est ce qu'on appelle la DeFi, c'est-à-dire que c'est plus une entité lambda comme une banque qui va te prêter de l'argent, mais c'est décentralisé. Ça n'appartient à personne. C'est directement entre utilisateurs. C'est en train d'exploser. Le seul petit. Problème et je reviendrai à vos cryptos juste après, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de systèmes utilisent la blockchain Solana, euh, la blockchain Ethereum pardon justement, euh, qui même si il y a euh, un fork, euh, et en tout cas un changement du protocole euh, qui s'est mis en place avec un passage de proof of work à proof of stake, eh bien euh, elle pourra vite être saturée si jamais, <coughs> pardon, demain il y a encore plus d'utilisateurs de DeFi et encore plus de gens qui utilisent ce genre de choses. Donc, la blockchain Solana est une vraie alternative. Nous, on en a parlé depuis qu'il est à 1,90. Aujourd'hui, on en parle partout dans les médias, évidemment. Il a fait x10. Hein, mais si tu arrives au bout de x10, bah, c'est un peu trop tard. Mais fondamentalement, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en termes de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas l'expert des experts des experts. Je laisse ça aux vrais experts. Hein, on peut citer par exemple quelqu'un que je connais pas personnellement, mais Asher, par exemple, qui vous explique les choses très bien. Il euh, y a d'autres chaînes aussi avec des gens qui sont vraiment euh, dans les fondamentaux de crypto. Cela dit, quand j'investis dans une crypto techniquement parlant, parce que moi, mon boulot, c'est l'analyse technique, eh bien, je vais quand même d'abord me renseigner, savoir ce qu'elle fait, pourquoi, est-ce qu'il y a un avantage concurrentiel, est-ce que c'est quelque chose qui est capable de révolutionner un petit peu l'écosystème ou en tout cas une fonctionnalité du monde d'aujourd'hui. Euh, on peut parler du Theta, je reviendrai dessus après, mais Solana, <coughs> voilà, elle m'a plu aussi fondamentalement. L'objectif, je ne lâcherai pas avant les 30, 31. C'est pour moi mon objectif moyen terme, bien que vous devriez surveiller euh, si on a une petite consolidation sur euh, le, biseau, euh, le biseau, le biseau, le fanion cassé, et eh bien ça peut vous donner l'occasion de rentrer à l'intérieur. Euh, Unify, ça c'est aussi une crypto que j'ai acheté très très basse pour l'instant, c'est pas terrible, terrible. On fait quand même, on l'a acheté combien Unify Je vais vous retrouver ça euh, un peu crypto. Unify, on l'a acheté à euh, 5,29. On est quand même à 28, donc on fait quand même x6. C'est pas dégueulasse. Le NEM, alors là, le NEM, vous avez un super point d'entrée, les amis. Là, c'est cadeau. Je vous donne un cadeau. Je vous donne un cadeau sur le NEM. Euh, Regardez-moi cette zone de polarité absolument fabuleuse. On ne peut pas faire mieux. Résistance, support, support. On est en train de faire en plus un double bottom. C'est parfait. Alors, la sécurité voudrait qu'on attende la cassure du petit W qui est en train de se former. Et donc, techniquement parlant, je rappelle, se positionner sur cassure euh, du W qui est là. Mais là, on a un putain de, une putain d'opportunité sur le NEM. Techniquement parlant, elle y est allée à 0,80. On est à 0,37. Il y a un fois de à faire. Il y a un fois de à faire. Euh, là-dessus, évidemment, à condition que l'écosystème, le Bitcoin, l'Ethereum continuent à monter. Mais il euh, y a vraiment un super ratio gain-perte. C'est ça qui est important quand on achète de la crypto. Si tu achètes, admettons, la cassure des, des, du W, que tu as un tech-profit qui est les plus hauts historiques, est-ce que ton tech-profit, il est logique Oui, c'est un niveau qu'on a déjà atteint. Tu pas sur les records historiques où tu n'as pas de visibilité. Tu mets un stop sous le plus bas, sous la zone pas trop collée, eh bien tu vois, euh, tu as une perte euh, de 11 centimes. Pour un gain potentiel de 40 centimes, donc tu as un ratio quasiment de 4. Tu peux, euh, tu peux gagner 4 fois plus que ce que tu peux perdre. Et là, quand tu as la technique, la fond le fondamental et en plus un trade offert sur un RR de 3,6, bingo, jackpot. Ça peut ne pas passer, mais quand vous connaissez les cotes, à un ratio de 3, il faut gagner une fois sur 4 pour que ce soit break-even. Un ratio de 3,6, il faut gagner à peu près euh, en pourcentage à peu près 20% globalement, un peu, un peu moins. Non, il faut gagner 20, 23% du temps pour que le trade soit rentable sur le long terme. Est-ce que acheter une zone de polarité avec un W en formation dans une crypto qui a du retard et qui peut le rattraper violemment, c'est plus que 23% du temps Moi, j'estime que oui. Donc là, vous avez euh, vraiment quelque chose de bien. On va continuer, je ne vais pas prendre trop de retard sur, euh, sur mon portefeuille parce qu'il est déjà 19h30 justement. Le Ripple, on en a parlé, le Ripple qui avait chuté lors de l'annonce du projet. De procès entre la SEC et le Ripple qui a vraiment eu lieu, Ripple qui s'est bien démerdé finalement, qui pourrait gagner ce procès. Moi, je vous l'avais fait acheter pour ceux qui sont dans la communauté sur la divergence socière, tout simplement. Divergence socière 0,22. On est à 0,56. On a même été faire un tour à 0,75. J'ai toujours un petit peu de Ripple. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai toujours un petit peu. Il est là. On a quoi On a le UMA. Ça, c'est pareil. On a un beau niveau polarité UMA que j'ai acheté à euh, 9,60. On est à 22. Quand même, c'est pas dégueulasse. Euh, on l'avait acheté sur la cassure du range ici, cassure pullback. Donc on l'avait acheté par ici. Euh, là, regardez, on a une deuxième zone de polarité, résistance, support, pratiquement support. Donc c'est un beau petit niveau. Peut-être attendre la cassure euh, de la résistance oblique qui couvre les tops et qui a empêché euh, cette crypto d'aller plus haut. Mais si jamais on pète ce truc-là, bah, c'est pareil. Vous avez une cassure triangle ascendant, figure de continuation qui est super intéressante. UOS, alors là on rentre dans le vif du sujet, c'est une crypto sur laquelle on est bien, on l'a acheté à 0,10, je vous en ai parlé mille fois sur la chaîne, là c'est une crypto liée au e-sport, c'est une crypto qui me plaît beaucoup, alors c'est celle sur laquelle justement je fais x7 euh, si vous êtes dans l'UOS, si vous êtes dans l'ultra, euh, qui est euh, euh, voilà, attention, on est quand même sur une divergence en formation. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que là, bon, quand on fait x7 sur une crypto-monnaie, il faut aussi euh, faire attention et peut-être prendre une partie de ses bénéfices. Quand on fait 700% sur euh, justement euh, une crypto ou même un autre actif, on en coupe la moitié. Moi, quand je vais voir. Parce que ça peut être un faux signal. Mais si jamais on valide cette divergence, je vais laisser sa chance au produit, comme on dit. Mais si jamais on valide cette divergence baissière, je sortirai la moitié. Alors peut-être que je sortirai un petit peu plus bas que maintenant. Mais en même temps, ça peut continuer à monter aussi. Donc il faut accepter euh, le risque. Euh, non, je ne suis pas passé sur TradingView particulièrement. Mais pour les cryptos, j'ai toujours utilisé TradingView parce qu'il euh, y a toutes les cryptos et c'est beaucoup plus facile. Euh, voilà. Donc attention sur le ultra. On est dans le e-sport. On est dans. Euh, euh, c'est le, le, Pour ceux qui sont un peu joueurs, c'est le Steam, hein, pour ceux qui jouent à CSGO comme moi, c'est le Steam euh, décentralisé. Voilà, pour tout vous dire. Donc c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir acheter des jeux vidéo, ce genre de choses, entre autres. Euh, attention, voilà, c'est peut-être monter un peu fort, un peu haut, un peu vite. Et il y a une divergence baissière qui nous dit Oh, on va avoir besoin de respirer. Ça se valide. J'en sors la moitié. Pour l'instant, je veux pas me précipiter, mais attention. Donc, voilà, si à l'inverse, ça casse. Ça ne valide pas la divergence, bah, il faut garder. C'est difficile de vous donner un objectif. Est-ce que 1$ dollar, est-ce que 10 dollars, ça j'en sais rien, je vous avoue, je ne suis pas voyant. Mais mon boulot, c'est de dire, est-ce qu'on est sur un niveau résistance? Est-ce qu'on a un signal de retournement Là, attention, on a une divergence en formation qui n'est pas validée. Donc, on surveille. Le Theta, ma préférée, ma pépite, je suis content parce que je vous l'ai donné à Dubaï. Euh, J'étais à Dubaï quand j'ai trouvé le Theta. Alors. Comment j'ai fait pour trouver le Theta? Moi, je regarde un peu les plus fortes hausses du jour sur Binance, sur, 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 sur TradingView, sur CoinMarketCap. Je vais regarder, je vais regarder qu ce que fait la, la crypto, le volume, ce genre de choses. Et j'avais trouvé la Theta parce qu'elle avait déjà fait une belle, belle accélération et le projet en lui-même m'intéressait. Euh, c'est un peu le Twitch décentralisé. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui stream, il y a de plus en plus de gens qui consomme du contenu en direct sur Internet. Un hein, Twitch, c'est le leader incontesté. Moi-même, je fais des Twitch, ça m'arrive. Hein. Deux fois par semaine, je fais du CSGO. On a même, d'ailleurs, je vous demanderai une petite faveur, on a même monté une web TV qui débute, qui s'appelle Player City. Donc, si vous avez la gentillesse, on a plusieurs streamers. Voilà, on a un on a PP Fortnite qui a 65 ans, je crois, et qui joue à Fortnite. On a une, une nénette qui joue à Valorant. Euh, on a... Euh, du CSGO, on a tout un tas de jeux et on est en train de mettre en place une chaîne euh, plaisir, on va dire, donc ça débute on cherche d'ailleurs aussi des gens qui sont capables de venir streamer avec nous chez nous hein, le but c'est que plutôt que de streamer tout seul dans votre coin bah, on le fait ensemble de manière encadrée bah, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des vidéos donc je vais conseiller, je vais aider techniquement etc, euh, donc n'hésitez pas je vous mets juste le lien dans le chat si vous voulez avoir la gentillesse juste de follow la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force quoi qu'il en soit je reviens à mes moutons, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui consomment du contenu en direct sur Internet avec l'effet confinement, etc., etc. Ça a eu un impact naturellement sur les qualités de stream. Et pour pouvoir toujours profiter d'un stream HD, eh bien, Teta a un projet, entre autres, de décentralisation de cela et est associé et en conseiller YouTube Twitch lui-même, si vous allez sur le site de Theta, c'est assez impressionnant. Et donc on voit que c'est quand même du sérieux, qu'il n'y a pas, pas des clones. Et du coup, moi, ça m'avait plu. Je l'avais acheté à 2,26. Si mes souvenirs sont bons, on est à 13. Euh, c'est l'une des cryptos sur lesquelles je fais le plus gros gain. Euh, et du coup, voilà, j'en ai sorti la moitié. J'en ai sorti la moitié, pourquoi euh, Parce qu'on a eu un signal de retournement intéressant. Une bougie comme ça, une pénétrante qui ouvre un peu au-dessus et qui ferme à l'intérieur. Donc j'en ai sorti la moitié sur 12 j'ai toujours mon teta, hein, il doit être par ici voilà j'ai toujours la moitié de mon TETA qui court et je dois en avoir pour 5 mille dollars environ je laisse couler j'ai pas d'objectif il n'y a pas de signal de retournement euh, on ne coupe pas ses gains trop tôt on laisse couler tranquillement attention quand même attention quand même à la bougie de la semaine parce que c'est ce qu'on appelle une bulle c'est à dire que c'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors de la bande de bollinger. Pour ceux qui connaissent la bande de Bollinger, c'est une bande qui entoure les prix. On dit que dans 90 à 95% du temps, les prix évoluent dans la bande de Bollinger. Euh, quand elle évolue en dehors et qu'on réintègre la BB, on a une forte probabilité d'aller chercher la MM20. Donc, ce que vous pouvez faire dans ces moments-là, vous faites comme moi, vous remontez votre stop, vous mettez un ordre de vente peut-être sous les plus bas. Comme ça, vous protégez vos gains. Vous êtes tranquille plutôt que de se réveiller un matin et de voir, merde, putain, il a baissé de 40%. On ne sait jamais. Je vous ai montré dans la vidéo tuto comment on met un ordre euh, sur, sur Binance quand vous avez des cryptos en portefeuille. Hein, Ce n'est pas que pour le trading. Eh bien, il suffit de mettre un ordre de vente limite à seuil euh, à au niveau souhaité. Donc, moi, j'ai mis un stop-loss juste sous les 10. Comme ça, si elle continue à monter, ma moitié, elle continue à courir. Si jamais ça se retourne, ça vend tout seul et je rachèterai plus bas sur un repli. Ne vous excitez pas dans le chat, je vous donnerai mon avis sur toutes vos cryptos. On prendra le temps qu'il faudra, je regarderai toutes vos cryptos. Je termine ma, ma liste, j'ai du hard. Hard, c'est intéressant, vous devez surveiller cette crypto-là aussi. Euh, si on casse le plus haut précédent, eh bien, vous pourrez rentrer dedans. Moi, le hard, je l'ai acheté à euh, euh, 0,93, on est à 2,35, c'est magnifique. Énergé, alors là, c'est un petit peu particulier. Ça, je vais faire un peu de pub parce que euh, ultra, j'ai un dollar, ça sera à mettre déjà un, un niveau clé, je pense, psychologique. Là, le NRG, je suis vraiment très content. Je vous ai déjà parlé des masternodes. Les masternodes, c'est quoi Vous avez certaines crypto-monnaies qui ont un protocole de validation des transactions qui n'est pas le même que celui du Bitcoin, par exemple, qui est de la preuve de travail, mais qui est, va être de la preuve d'enjeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu détiens un nombre donné défini à l'avance de cette crypto-là, eh tu as comme un droit de vote tu as le droit de participer à la bonne tenue du réseau. Parce que la crypto, les chefs de la crypto, ils se disent Bah oui, si Romain, il en a X, euh, eh bien, il a tout intérêt à ce que ça fonctionne. Donc, ils ont décidé de travailler comme ça. Et donc, tu as le droit de participer, d'avoir un nœud e maître, un master node, et donc de participer à la bonne tenue du réseau, notamment à la validat validation des transactions. En échange, eh bien, tu as un revenu hein, comme les mineurs bitcoin peuvent toucher eh bien une partie des frais de transaction eh bien là tu as un revenu euh, qui va être calculé alors des fois c'est 10 des fois c'est 15 des fois c'est 20 c'est un pourcentage c'est tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours donc soit tu es super balèze et tu sais monter un serveur tu sais le gérer tu achètes la bonne crypto qui va bien tu mets ton serveur ton machin ça j'avoue je sais pas faire soit tu passes par une société euh, à laquelle je voilà j'ai fait confiance j'ai mis un peu d'argent ça s'appelle file mining et field Mining, il s'occupe pour vous. Il s'occupe pour vous, tu ne s'occupes de rien. Il s'occupe pour vous euh, d'installer le masternode. Alors il y a un petit peu de frais, ils vous prennent des petits frais d'installation et 5% sur les gains que vous générez. C'est de bonne guerre. Moi, quand quelqu'un sait faire quelque chose que je ne sais pas, qui me prenne un peu d'oseille, c'est normal. Et donc, j'avais investi dans le masternode énergie. C'est-à-dire que j'ai bloqué un certain nombre d'énergie. C'était au mois d'août de l'année dernière. Et donc, on est sur un ROI de 33%. OK Soit vous pouvez acheter un masternode entier. Donc là, en l'occurrence, il faut 1000 énergés. Qui commence à faire un billet, ça fait 4000 balles. Soit vous pouvez acheter une part. Donc là, il reste une part, par exemple, à 416 euros. Donc, tout le monde a 416 euros, j'imagine, à investir. En tout cas, si vous regardez cette vidéo. Ce qui est génial, c'est que moi, j'ai acheté au mois d'août le Master de Énergie et le énergie, il était à 2. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis le mois d'août, j'ai gagné à peu près 25% d'intérêt. Donc, j'ai 25% d'énergie en plus. Donc, sur les. Moi, j'ai pris une, deux parts pour tester. J'ai 25% d'énergie en plus, donc j'ai fait 25%, mais vu qu'en plus la crypto elle a fait x2, bah j'ai fait euh, un investissement de ouf finalement, puisque au lieu d'avoir x, j'ai x plus 25% x2, donc génial, donc ça c'est un vrai conseil que je vous donne, si vous avez envie d'investir dans l'écosystème crypto-monnaie et que vous en avez marre de toucher 0,5% sur votre livret A, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la maison dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre la belle-mère et tout mettre sur les masternodes. Mais investir dans les masternodes, être capable de faire confiance à des boîtes comme Field Mining, qui pour moi sont nickel. Il y a un espace, je touche mes trucs, si je veux, je les revends directement sur Kucoin, je prends des bitcoins, je prends des USDT. Je veux dire, le truc, il est carré. Et mettre un billet sur une un peu euh, excitante, sexy en termes de ROI, et peut-être une autre un petit peu plus raisonnable, équilibrée, tu vois, en partager. Là, tu peux... Euh, c'est 950 balles, donc tu as 1005 à mettre, tu prends une divi, une énergie, tu laisses couler, tu vas te faire un ROI moyen, donc 33 et 21 ça fait 54, divisé par 2 ça fait 27, tu vas te faire un 27% par an. Effectivement, il y a aussi des risques que la crypto, elle baisse, et ça fait baisser ton investissement, mais si ça continue à monter comme ce qui est le cas pour l'énergie, bah là c'est jackpot. Donc, ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Feel mining, je leur fais confiance. Je euh, Chloé d'ailleurs si elle regarde cette vidéo. Et allez les voir parce que j'ai pleine confiance en eux. En tout cas, le NRG, voilà, c'est pas une crypto que je connaissais. J'ai investi dedans parce que c'était un masternode et j'en suis très satisfait. On arrive, ne vous inquiétez pas, j'arrive à vos cryptos, on arrive dans les dernières cryptos que j'ai achetées. Euh, on a le Algorand euh, que j'ai acheté le 25 février à 1.08, on est à 1.27. Pour l'instant, on est en train de valider un espèce de double bottom. On a une belle zone support qui est là, qui tient un trader. On est en train de casser le précédent plus haut gentiment. Faut garder. Si vous n'êtes pas dedans, si vous n'êtes pas dedans et que vous voyez qu'on est en train de casser le précédent plus haut ici, là, il y a un trade à faire. Il y a un trade à faire là-dessus. Walter Coin, c'est pareil. Les zones, les zones, les zones de polarité, les amis. Je vous les donnais à 0,90. Je les ai donnés tout ça sur YouTube gratuitement. Il hein, n'y a pas eu besoin forcément d'être dans la communauté live stream. C'est plus simple parce qu'ils reçoivent des messages, mais j'en ai parlé sur YouTube gratos. Zone de polarité, Alors, ancienne résistance, on merguez en dessous, on casse, on se réappuie dedans. Quand je vois ça, bim, j'ai acheté 0,96. J'ai acheté un petit peu plus tard, j'ai attendu qu'on confirme. On est à euh, 1,92, on a même été chercher les deux. Magnifique, ça fait plaisir. Là, évidemment, c'est un peu tard. Le swipe, qui est pas mal aussi, un peu moins en tendance. Attention pour ceux qui sont dedans. Euh, ceux qui sont pas dedans, c'est peut-être pas le meilleur timing d'intervention. Le swap qui est un système de paiement, euh, je vous ai déjà montré sur la chaîne. Euh, J'ai une carte bancaire euh, Binance que j'utilise euh, pour pouvoir justement. Euh, euh, dépenser euh, mes plus-values que je peux faire sur le, le bitcoin en trading ou autre et euh, eh bien ça utilise la technologie de Swipe donc Swipe c'est une un technologie de paiement l'utilise alors ça c'est une crypto franchement je trouve l'idée absolument géniale pour ceux qui connaissent pas vous avez une plateforme qui s'appelle socios.com euh, qui va permettre aux fans de clubs de foot ou e-sport ou basket ou autre euh, de devenir un peu socios comme le modèle en Espagne vous savez que les clubs de foot en Espagne appartiennent aux supporters qui sont actionnaires euh, du club et qui vont élire un président. Euh, ce qui est intéressant alors, au niveau du modèle. C'est le modèle économique de la majorité des clubs espagnols. Et donc, bah, c'est vrai que les fans, tu es fan de, Du Real, tu es fan de la Juventus, t'es fan euh, d'une un, équipe e-sport comme Navy, par exemple, ou, euh, ou autre, bah, tu as envie, à, à part acheter le maillot, tu peux rien faire. Tu as envie de participer un petit peu euh, à... Tu envie de participer à la bonne, bonne tenue de ton club, tu as envie de donner les décisions, eh ben, c'est ce que Socio a inventé. Ils ont inventé une application. Si tu es fan de la Juventus, par exemple, eh bien, tu vas devoir acheter du Chili's qui est ta monnaie d'échange. Avec ce Chili's-là, qui est ta monnaie d'échange, tu vas investir dans la, le, le token Juventus. D'ailleurs, Ronaldo, il y a 10 jours, a été le premier footballeur du monde à, à recevoir officiellement de la crypto-monnaie Juventus. Et donc, en ayant le Juventus token, eh bien, tu vas pouvoir participer aux décisions du club. C'est des petites décisions. Par exemple, c'est euh, on souhaite repeindre le bus des joueurs. Est-ce que vous préférez du jaune, du bleu ou du rouge euh, On veut aller sur un réseau social. Est-ce que vous, nous, vous préférez qu'on soit sur Twitter, Instagram ou Facebook? Mais tu vois, le, 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 le fan, vraiment le mec qui est fan du truc, euh, bien il se sent important et ça lui donne euh, euh, bah, la capacité à prendre une partie des décisions euh, du club. Donc je trouve l'idée absolument géniale. Euh, là, il y a eu un effet euh, boost. Forcément, une news, tout le monde a trouvé l'idée géniale. Pfff. Je surveille les niveaux clés. Euh, moi, j'en ai acheté un petit peu sur le repli des 50 Ça, ça peut être un, un niveau intéressant. Voilà, on est en train de replier, on a cassé la résistance. Ça peut être à un moment. Donc, je vais euh, vous redonner euh, le signal. Euh, ça peut être pas mal hein, d'investir dans le Chili's maintenant. Attention, on peut corriger un peu plus. On peut aller chercher 0.618 et on sait que si on casse 61.8, c'est fini. Donc, si jamais vous investissez un petit peu dans le Chili's, plutôt que de l'avoir acheté à 1 euro ou trop là ça peut être un bon moment, un stop pas trop loin, soit sous les plus bas, soit un petit peu plus large, sous les 61.8, de façon à laisser respirer, et je, voilà, fondamentalement parlant, même si finalement... Ça va pas changer grand-chose à l'humanité. On sait que les supporters sont capables de plein de choses. Vous pouvez même trader dans l'application le token Juventus contre le token euh, Barcelone, contre le token Dortmund, etc., etc. Donc, il y a un vrai écosystème euh, qui est assez génial. Et euh, du coup, je vous recommande effectivement d'en prendre un petit chouia. Là, on, a vu, on est venu corriger 50% de la vague d'accélération. On casse la résistance par le haut. Il y a un signal technique. Je termine avec une crypto que j'ai achetée. Alors là, j'ai suivi mon ami Marc. Euh, qui m'a dit achète du Lina voilà j'ai rien d'autre à dire euh, c'est tout <laughs> j'ai pas, pas d'autre argument il n'y a pas d'historique je sais pas à quoi elle sert je sais pas ce qu'elle fait Linéa. Euh, je l'ai juste suivi donc je vous l'ai donné ceux qui sont dans la communauté je vous ai dit je suis Marc j'ai pas d'autre argument bon bah, il m'a donné Solana donc je lui, je lui ai donné Theta et il m'a donné Lina on fait chacun son tour comme ça on aime bien se donner les choses euh, voilà donc Lina j'ai suivi Marc et euh, voilà ce que je peux vous dire là dessus c'est pas mal. Voilà mon portefeuille crypto. Tout est là. Hein. Tout est en portefeuille. Il n'y a pas de chichi. Moi, quand j'ai, je montre les choses. Il y a d'autres cryptos que je surveille. Euh, moi, personnellement, le Ave, qui est pas mal. Crypto là, qui est en train de, de sortir peut-être d'une phase de conso prochainement. On a affaire à ce qu'on appelle un triangle euh, de consolidation. On est un petit peu enfermé dedans. Euh, voilà. On va euh, éventuellement payer ça si jamais ça sort de cette résistance ici et qu'on repasse en tendance haussière, on vient consolider un petit peu, on se calme, hop hop hop, on reprend ses esprits. Ça, c'est une crypto à surveiller. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en belle opportunité vraiment intéressante de chez Intéressante alors justement, EGLD, euh, e -E -E alors Eagle Ronde, ou un truc comme ça. Hein, son nom, c'est quelque chose comme ça, assez imprononçable. Euh, c'est à peu près la même chose. Hein, quand tu regardes, elles ont toutes à peu près la même tronche, euh, ce genre de crypto. Euh, voilà, on est, venu, euh, on est venu faire une grosse accélération un petit peu rapide dans l'euphorie. Ça s'est calmé. On a corrigé violemment. On est venu chercher les 80. Ensuite, ça stagne. Là, on est dans une phase neutre. Regardez la moyenne mobile 20, comme elle est plate. Très plate, donc c'est pas forcément le meilleur des timings. Moi, je mettrai une alerte et je vais mettre une alerte sur cette zone résistance, qui est un niveau qui a bloqué euh, dernièrement. Euh, et du coup, si jamais on casse ce niveau, là, elle ronde. Pardon, merci Benjamin. Si jamais on casse ce niveau sur le L ronde, là, oui, c'est un signal intéressant d'achat. Je continue. Donc, WalterCoin, on l'a acheté. Voilà. Là, c'est pareil. Le F fantôme, FTM. Le fantôme qui est depuis peu, je crois, sur Binance. Euh, on a un beau signal aujourd'hui. Regardez, on a la belle cassure euh, de, du petit canal baissier ou d'espèce de biseau descendant qui est une figure de continuation haussière. Très, très intéressant. Donc, ça, j'aime beaucoup le signal qu'on a là sur le fantôme. Euh, on est venu chercher la moyenne mobile 50. On est venu se Puis J'ai vu, euh, Miguelito, tes questions, s'il te plaît. Ne mets pas trop de messages, sinon ça me perturbe. Euh, c'est bien le fantôme. Je pense que je vais en prendre un petit peu là dans quelques minutes euh, parce que ça me plaît cette sortie de biseau pour aller au moins chercher pour aller plus haut. J'aime beaucoup. Alors bah justement, je suis en train d'en parler. Ahmed, après, c'est à toi de prendre tes décisions. Hein. Je ne peux pas te prendre par la main et investir dans ton compte avec toi. Je vous parle des opportunités techniques. Après, c'est à vous de prendre votre décision. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fantôme. Ce que j'aime bien, c'est effectivement euh, le aileron, euh, si jamais on casse la résistance. J'aime bien le Aave, si on sort de la résistance oblique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a le RIF, qui est pas mal aussi, si jamais on pète la petite résistance à 0,05, qui est vraiment génial. Voilà, qui est juste ici à surveiller. Donc, ça, c'est les trois cryptos que je surveille. Ensuite, dans mon portefeuille, j'en ai parlé. Il y en a Solana, si on vient pullbacker euh, le Fanion, n'achetez hein, pas sur des accélérations. Huma, si on sort de la résistance. Et algo rang, si jamais on casse ce petit W. Voilà. Et pour terminer, une plus majeure, le nem, si jamais on valide ce W. Donc là, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire. C'est à vous de noter, c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de calculer votre management. Je veux dire, on peut pas tout faire à votre place. Là, je vous donne mes opportunités. Ce que je vous propose maintenant, Allez-y, Molo, écrivez chacun votre tour et je vais boire un petit coup de perrier bien frais. Hein. C'est pas une bière, je vous précise, c'est un perrier. Pour moi, c'est la meilleure boisson du monde. C'est le perrier, j'en bois des litres et des litres par jour. Euh, J'adore cette boisson, je sais pas pourquoi. Je préfère dix fois un perrier qu'un coca. Mais du coup. Voilà, c'est pas une bière, hein, je préfère le dire. Euh, alors, on va aller euh, regarder vos cryptos. On va commencer par Alex. Je vais peut-être pas faire tout le monde, tout le monde non plus, les amis, parce qu'à un moment donné, ça peut prendre du temps. Mais on va regarder le ADA, ADA USD. Alors, je ne vous parle pas de fondamental, hein, les amis. Attention, moi, je vous donne mon avis technique, hein, le Cardano. Je vous donne mon avis technique. OK, on va regarder le, euh, contre l'USDT. Euh, je vous donne mon avis technique. OK. Donc, ça, c'est bien, bien important. Je veux pas dire, on est 235 et que 72 likes. Bon, bah, les gens, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Voilà. S'ils font pas l'effort de mettre un like, on peut pas les forcer. Hein, moi, je suis pas payé au like. Hein. C'est mieux, bien sûr. Quand on est euh, liké, ça, pour son ego, ça fait du bien. Et pour être bien référencé sur YouTube. Mais c'est vous qui prenez la décision à mettre un petit like si vous estimez que mon travail, est bon ou pas. C'est vous qui décidez ça. Alors le Cardano, le Cardano qui est quand même très 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 haut. Est-ce qu'on a une bulle techniquement parlant On a validé une bulle. Ça c'est pas beau. Après forcément il reste soutenu par l'ensemble du marché. Mais moi si j'étais en position là-dessus sur le Cardano, je ne vendrais pas parce qu'on s'est on s'est installé dans un espèce de petit range qui pour l'instant est une sorte de petite pause. Dans la, console, dans, dans, dans la tendance, donc il n'y a pas de gros signal, mais je surveillerai ce range. Ça veut dire quoi La bulle, elle peut se valider. La bulle, elle peut se valider, on peut venir casser le range. Si on casse le range, je mets les poils, je sors. Tant qu'on ne casse pas ce range, je reste à l'intérieur. Si jamais on le casse par le haut, ça reste intéressant, c'est un signal d'achat. Si je ne suis pas en position, je parle pour vous sur le Cardano, je ne pense pas que ce soit le meilleur timing. Pour acheter, je vais justement surveiller le bad range qui est là, parce qu'on peut venir le chercher, ça peut tenir et ça peut être un niveau intéressant à payer. Donc, je surveillerai les 1,03 sur le Cardano et si je suis en position, je ne touche pas. Je remonte un petit peu dans l'historique. Ok, ok, Ada, ça a été fait. Saint-Pellegrino, c'est bien aussi, Julien. XVG, vous êtes nombreux à me parler du XVG. XVG, Verge, déjà, j'aime. Bien le nom. Enfin, euh, façon de parler, bien sûr. Euh, heureusement que ma femme ne m'entend pas. Mais euh, le verge, on va regarder. Ouf, alors, nouveau plus haut historique aujourd'hui. Superbe. Alors, attention, on a quand même une petite vague de Wolf en formation. Qui n'est pas du tout validée, mais elle est là. OK. Bon, en attendant, la tendance elle est toujours haussière. Pour ceux qui sont fans de l'hyper court terme, et qui font abstraction de la vague de Wolf. et eh bien, pourquoi pas si on fait un petit pullback sur l'ancien plus haut et qu'on voit que ce niveau-là, 003 il tient. Effectivement, c'est une crypto qui est pas chère du tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut pas chercher le nouveau Bitcoin. Hein, c'est fini. Il hein, n'y en aura pas qui font 3 centimes, 100 000. Euh, mais, euh, mais si on a un petit pullback propre qu'on veut travailler la tendance, pourquoi pas? Après, je vois qu'on a un petit support oblique qui prend tous les points bas ici, un peu majeur, là, que je surveillerai qu'à 3, 4 points de contact, quoique. Voilà. Si jamais on replie un petit peu plus, ça, ça peut être un bon point d'entrée dans le sens de la tendance. Pour ceux qui veulent vraiment faire que du suivi de tendance, tac, on replie un peu, on vient chercher ce support qui, qui a l'air d'être un canal en plus. On va faire un petit clone. Clone. Voilà. Donc on a un beau canal haussier. Donc si on vient chercher le bas du canal. Pourquoi pas? Attention quand même à cette vague de Wolf. Attention, si elle se valide, ça peut faire des dégâts. Mais pour l'instant, force est de constater qu'on est dans un beau canal. On va regarder le icon ICX. On va regarder ça. ICX. Alors je regarde pas. Je regarde contre le Theta. Euh, ICX. OK. Tac. Tac. Ok. Bon, ça a tout défoncé là aussi. On a fait un nouveau record historique, en tout cas par rapport à la cotation Binance. Pas de signal ça diverge un peu pareil euh, je reste en position si je suis dedans si je suis pas dedans bien on vient de faire un nouveau plus haut ben je surveille d'abord l'ancien plus haut la petite zone si jamais on replie proprement et que ça tient les 220, les 228, je pense que vous commencez à comprendre comment il faut faire. On attend, on essaie de se positionner dans la tendance, on essaie de surveiller des replis, on apprend à tracer ces zones de polarité, ce n'est pas trop tard. Je croyais que le mois dernier, c'était trop tard. On a trouvé euh, Lina, Walter Waltercoin, Algorand. Je croyais que le mois d'avant c'était trop tard. On a trouvé Theta. Je croyais que celui d'avant était trop tard, on a trouvé EOS. Ce n'est jamais trop tard. Tout n'est qu'une question de timing. Petit repli dans les plus hauts précédents. Pourquoi pas, si on a une plus grosse correction, eh bien on a un petit support autour des 1,39. Donc si je ne suis pas dedans, je rentre jamais sur une accélération, j'attends un petit pullback. Si je suis dedans, on a un super signal, on garde. BTT, BitTorrent, BitTorrent pour NCP, BitTorrent. Après, je vous parlerai d'une petite crypto, les amis. Ce sera mon cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Ceux de ma communauté savent très bien de quoi je vais parler. Je pense avoir décelé la perle. Je vous dis juste ça. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. BTT BitTorrent contre le Tether. Euh, C'est le même style de graphe. On est sur un plus haut historique. Euh, ça peut continuer à monter, bien sûr. Tu peux acheter à 0.0.0.3 et que ça aille à 0.0.0.0.6. Je ne dis pas ça. Juste termes d'analyse technique, tu vois un truc comme ça. Moi, je mets ça dans le panier. J'ajoute à ma liste. D'ailleurs, merci. Hein. Ça fait plaisir. Vous me faites gagner de l'oseille. C'est cool. BTT, j'ajoute à ma liste. Basta. Alors j'ai mis dans la mauvaise liste d'ailleurs. J'ai mis dans la mauvaise liste. Je ne pas mis dans la bonne liste. Je, vais... je surveille. Parce que j'achète pas ce genre de bazar. J'achète pas sur des accélérations. Encore une fois, on attend un repli parce qu'il vaut mieux rater une opportunité. Il y en a tellement des crypto-monnaies euh, que de rentrer en tout fou. Oh, ah, il m'a recommandé ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc BTT, si je suis dedans, je garde. Si je suis pas dedans, j'attends un repli. Je surveille attentivement la zone 0,00170, qui, qui peut aller. Hein, ça, ça paraît beaucoup, mais c'est des cryptos, hein, ça peut le faire. Le fun, merci pour le BTT en tout cas, le fun contre le TTR, c'est super fun. Euh, tendance très haussière hebdomadaire, pareil, nouveau plus haut en clôture si on termine comme ça la semaine. Il y a eu une attaque au 006, ça n'a pas tenu. Ah, super, alors là on a un signal, là on a un beau petit signal là-dessus, ça c'est beau, je ne sais pas qui c'est qui m'a donné ça. Euh, le fun c'est Chilini. Et bah, qui est un joli pseudo en plus. Euh, ça y est, ça a été fait. Euh, XVG, le verge, mon ami. Ça, c'est super parce que, après avoir corrigé, j'imagine à peu près 50% de Fibonacci, même 61,8, magnifique. Regardez ce niveau Fibonacci, c'est fou. Accélération, on corrige 61,8, on sort de la phase de correction. En cassure de la petite résistance oblique, et là on pète carrément le précédent plus haut. Ça c'est beau. Ça on a un beau timing là-dessus sur Funfair. Je ne sais pas encore trop ce que c'est comme crypto. Moi j'aime bien aller voir avant. Je vais voir sur CoinMarketCap, je vais voir le site, je vais voir le volume. C'est important, ouais, on peut le faire ensemble sur CoinMarketCap. On va voir le. Il dit, oups, je fais trop euh... Fun USDT Funfair. Alors. On va regarder un petit peu. 346 millions de capitalisation, c'est largement suffisant. 20 millions de volume. Je regarde un peu, je ne connais pas. Hein, donc là, je vais faire. Oh Ah Merci Tu vois, on est encore dans le gaming, on est encore dans l'e-sport. GG. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est. Donc, tu votre solution Ok. Il faut regarder un peu. Voilà, ils font des jeux vidéo, visiblement, une plateforme de jeux. Ok, c'est cool. En tout cas, j'aime beaucoup le graphique du FEM. Donc, ça, je vais. M'empresser d'ajouter et je pense même que je vais en prendre un petit billet avec vous. Je pense même que je vais en prendre un petit billet avec vous. Bah, vous savez quoi On va mettre un billet tout de suite. On va mettre un billet tout de suite sur le fun en direct. On est ensemble et merci. Je te donnerai une partie des plus-values, Chinini. Euh, trader, avancer. On va aller sur le fun de l'USDT. Moi, je mets toujours un petit billet de 1000 balles. Voilà. On va mettre un billet de 1000 balles. Acheter au market, 1000 balles. Le fun, c'est parti, let's go. Et voilà, merci, ça fait plaisir de faire des vidéos et de gagner de l'oseille. Donc on peut l'ajouter. Les abonnés, ceux qui sont là, je viens d'acheter du fun. Là, le graphique me plaît, on est en train de briser le précédent plus haut. Je vous le remettrai dans le Discord après la vidéo, bien évidemment, les amis. J'aime beaucoup en tout cas, le mec part en couille, le mec achète tout ce que les gens recommandent. C'est parti, on continue. Euh, dernier ATH1, le hard, on l'a déjà fait, tu remettras la vidéo. Ok, le fun, top top. QTM. Le QTUM. Je ne connais pas toutes les cryptos. Idem, on est venu casser le plus haut. On n'a pas fait vraiment le pullback. On est sur un top, j'imagine qu'il y a une divergence un peu ouais, en formation. Alors on est loin des plus hauts historiques du bazar. Waouh Ah ouais, là il y a de la route. Là effectivement il y a de la route. J'attendrai quand même un petit repli parce que j'achète pas sur les accélérations. Il y a cette zone qui n'a pas encore été pullbackée. On a l'impression que si, mais non. Euh, vers les 7,50, c'est pas mal. Vers les 7,50. Si on en a ce support qui est là, qui est bien aussi. Donc, si on vient faire une petite exagération et qu'on va chercher la zone 7,20, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, ça, je vais mettre aussi ça sous alerte. Merci à vous. Ça, c'est bien. Moi, c'est ce que j'aime. Le, par le partage. Euh, voilà, on se donne des astuces. On se donne des choses. C'est génial. D'ailleurs, c'est vrai. Euh, il a dit une autre chose juste tout à l'heure. J'ai fait celui qui s'en battait les couilles, mais en fait, non. Euh, vous êtes 227 en direct, les amis. Pourquoi j'ai que 130 pouces bleus Pourquoi j'ai pas 227 pouces bleus C'est pas normal ça. Mettez-moi des pouces bleus, les amis. Faites-moi péter les pouces bleus. Euh, le ERN. Ok. Alors, moi, donnez-moi des cryptos que je peux analyser sur TradingView, les amis, s'il vous plaît. Les trucs qu'on peut wrapper euh, contre de l'éther, euh, c'est pas forcément évident. Euh, ok. Guillaume. Quantum quantum, on vient d'en parler le quantum si on a un petit repli le Pundi, putain y a des noms de trucs le Kirk, le Glux, ah, ouais, pas mal le Pundi, aïe 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 ah pas bon ça, ça moi si j'étais dedans je me corse pourquoi parce qu'on a validé une divergence baissière donc par sécurité je me tire comme dirait Maître Gims et euh, je surveillerai une petite zone intéressante, moi une mobile 50 un petit peu plus bas, donc je ne connais pas cette crypto, le Pundi. Mais j'y mettrai les voiles. Le Ripple, on l'a déjà fait. Vos, Vos, on veut bien faire le Néo pour toi, mon ami. Le Néo qui est bien aussi, est cette espèce d'hétérum chinois. Euh, sympa, sympa. Cette moyenne mobile 50 qui soutient bien la tendance, le Néo. On est venu péter une résistance très intéressante ici. Je crois qu'on avait fait un petit trade court terme sur le Néo, si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà, là, on pète. Cette petite résistance qui n'a que deux points de contact, mais c'est super intéressant. J'attendrai une petite confirmation de la cassure du précédent plus haut pour effectivement éventuellement, me positionner sur le Néo si j'ai envie, si j'aime le protocole, si j'aime le projet. Si on casse la zone des 46-38, eh bien, euh, c'est cool. Ça donne un signal intéressant euh, sur le Néo. Bien évidemment, la zone support était, mais ça a rien de refaire le passé, était beaucoup plus alléchante, mais il faudrait casser ici. Un micro grand cœur, go les pouces bleus. Merci euh, Aurélien. Je ne peux pas faire toutes vos cryptos, les amis. Euh, ORN pour Benjamin, je vais faire. UOS, on l'a déjà fait, Thibaut. Tu regarderas la vidéo depuis le début. Euh, Avax. Et je vous donnerai ma pépite et on arrêtera là. C'est bien déjà. Bon, là, on a les mêmes graphes, les amis. On a... Je pense que vous avez compris un petit peu la méthode. Là, on est sur des tops. On n'achète pas sur des tops. On attend des replis. On essaie de déterminer les zones qui ont été supports en intraday. Euh, zone de polarité et là là malheureusement c'est sur les plus hauts. Je vais un peu vite parce que bah j'ai une vie privée aussi. Euh, tu vois c'est exactement pareil. Le fameux euh, ANKR euh, bulle validée si je ne m'abuse. Voilà c'est ça bulle validée aujourd'hui donc forte probabilité de consolidation, grosse divergence euh, baissière. Voilà moi je n'achèterai pas maintenant, j'attendrai un repli autour dans ma bande moi, une mobile 20, moi, une mobile 50 euh, vers les 0,010. Ok Guillaume. Ok, c'est génial, les, les... c'est génial ça, mon lion. J'adore les NFT. J'adore. Pour finir, allez, avant de vous donner, et désolé, si vous voulez, on fera, on fait ça toutes les semaines. Hein. Ça, me... ça me fait plaisir hein, de vous donner. Océan et student coin. Allez, pour terminer. Océan, il n'y a pas de signal de retournement. Le LISC, allez, et après on arrêtera. Pas de signal de retournement. On n'a pas de divergence. On a peut-être une petite divergence en formation, mais elle est loin, 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 loin d'être validée. Bon, on est en tendance fortement haussière. On ira dans l'inconnu si on casse les plus hauts historiques, parce que bah, c'est difficile de se donner un objectif. Euh, voilà, mais si on pète, pète ce niveau-là, bah, c'est cool. Hein Là, il ne faut surtout pas vendre. Regarde cette tendance comme elle est belle, des points hauts, des points bas, bien, bien propre, de plus en plus haut. Donc, c'est plutôt cool. Pourquoi certains brokers n'ont pas certaines cryptos bah Parce que la plupart des brokers dont tu cites, j'imagine, ce sont les brokers CFD, les Itoro, les XTB, euh, les FXCM, les etc. Ils ont euh, une partie des cryptos disponibles parce qu'il y a trop de volatilité sur les autres. Et vu qu'en général, pas toutes, Itoro notamment, quand vous ne faites pas de levier, c'est de la vraie crypto, mais comme la plupart ce sont des CFD, et donc c'est vous quand vous gagnez vous les faites perdre et vice versa. bah sur des petites cryptos comme ça ils peuvent pas se couvrir ils peuvent pas acheter des, euh, toutes les cryptos du monde donc du coup ils vous proposent pas toutes les cryptos du monde. Allez sur Binance pour faire de la crypto les amis vous avez le lien d'affiliation Binance qui vous permet de gagner un petit peu en frais même si les frais sont très très bas euh, vous allez pouvoir je vous ai mis le lien je vais vous le remettre inscrivez-vous sur Binance c'est le meilleur il n'y a pas mieux c'est le top du top non seulement c'est pas cher mais en plus, c'est un site qui est vraiment génial. Et en plus, euh, l'application, elle est géniale. Tout est génial sur le Binance. Donc, allez sur Binance. Alors, c'était quoi euh, Dent et pouces bleus Dent. Ok. Bah, tu commandes un pouce bleu. Tu, tu joues le chantage, toi. Euh, c'est laquelle que tout à l'heure il m'a dit Si tu la vois, tu l'achètes. C'est sûr. Merde. C'était laquelle Lisk. Allez, on va regarder. Ah non, tu vois, justement, on, a, on casse le plus haut historique, c'est un beau signal, effectivement, c'est un beau signal d'achat. Euh, mais là, tu vois, je vois tout de suite à l'œil, forcément, moi, je suis dans une approche statistique, à la limite. Donc moi, si j'achète une cassure plus haut, je mets un stop sous les plus bas. Bon, pourquoi pas, mais tu vois, je préfère les trucs remplis. Je vais préférer dix fois plus un riff qui est là, qui peut péter sa résistance, dix fois plus euh, un Walter Coin dans une zone de polarité, dix fois plus un M qui okay. je suis en train de nous faire un W et quasiment divergence sociale dans une zone que d'acheter un plus haut historique. Mais bon, c'est pas mal. J'ai pas l'ancien plus haut. Ah bah c'est peut-être pour ça alors mon lion. Autant pour moi, je vais prendre celle de Bitrex. Tiens, on va prendre une autre. On va prendre euh, de la Non on va prendre ça. Ah j'ai. Ah oui d'accord. Bah voilà. Ah bah oui. Ah bah c'est clair. Oh putain. Ah bah t'as raison. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi, Tito. Eh ben, génial. Eh ben, encore mieux. Ah, bah ben, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, effectivement. Là, je confirme. j'avais pas vu. Désolé. Je ne peux pas tout voir. Euh, donc, oui, cassure du plus haut. Génial. son si clôture comme ça, ça, ça peut être une crypto achetée, effectivement. Effectivement. Autant pour moi. Euh, on a eu dix fois les mêmes graphiques. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a eu dix fois les mêmes graphes. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi, Choura. On a eu dix fois le même graphes. Il est horizontal, une petite caméra. OK. Alors, dix fois, on a eu quand même des graphiques intéressants. On a dégagé des cryptos dont je résumerai après. Et après, je vous parle de ma pépite, les amis. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ça ressemble, évidemment. Ça ressemble à tout. Bon, on est dans une phase de latéralisation. Là, on est venu chercher une petite zone de polarité qui est très sympa. C'est ça que vous devez repérer. Des fois, on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est trop tard. On a l'impression que la zone de polarité qu'on veut repérer, elle est trop basse. Euh, mais là, tu vois, il y avait une superbe zone. On casse casse précédent plus haut. C'est clair que si on vient se réappuyer là-dedans, faire un petit pullback vers ben les 6, ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. C'est intéressant, Wiki. Après, c'est toujours pareil. Il faut prendre le. Dans tous les cas, de toute façon, les amis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, que ce soit dans la crypto-monnaie ou sur le marché traditionnel, quand tu ouvres une position, euh, tu as un risque que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que tu définisses une zone d'invalidation, une zone à laquelle euh, tu coupes ton trade. Combien de personnes sont rentrées euh, sur le Bitcoin, sur les cryptos en 2017 à 16, 17, 18 000 dollars Et ils ont tenu, ils ont tenu 10, 9, 8. Ah, ah j'espère qu'il va remonter. deux. De, 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 de 3008 oh, j'arrête c'est bon Chut, je coupe et derrière bam. donc vaut mieux couper un trade mettre un stop dire ok j'achète ça pullback je mets un stop sous le plus bas tank tang tang et essayer de se tenir donc là on a vu des belles choses je vous résume parce qu'il est déjà 8 heures je vous répète mes meilleures opportunités Solana si on vient pullbacker le fanion. pour moi Solana l'objectif c'est 30 32 NEM magnifique zone de polarité si on valide le W super UOS, attention pour ceux qui sont dedans. Divergence en formation, on surveille pour éventuellement sortir la moitié si on la valide. Algorand, si on vient casser le plus haut précédent, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le fun, je viens de le payer. J'adore le projet à première vue, comme ça, je vais étudier un peu plus. J'ai mis un petit billet, on casse le plus haut précédent, ça me plaît. Euh, Elrond, si on casse la résistance autour des 160. Ave, si on sort de l'oblique baissière, vous avez déjà de quoi faire. raciste ou quoi, bande, on est 5 à demander. Bon, on ne va pas s'énerver, les gars. Désolé, mais c'est quand même un peu con de ce genre de commentaire. Vincent, si tu peux faire ton boulot, s'il te plaît. Euh... Si c'était de l'humour, bah, ce n'était pas très drôle. Bref, quoi qu'il en soit, je vous ai donné mon avis sur les cryptos. Il y avait une certaine redondance sur certains des graphiques qui étaient assez similaires. Si je peux vous donner un conseil, le Ripple, on l'a fait, Marin. On retourne en arrière dans la vidéo, on l'a fait au départ. Euh, je peux pas avoir toutes les cryptos non plus, les amis. Quoi qu'il en soit, je vous ai donné mes meilleures opportunités. Tu sais analyser une crypto Mais les mecs, vous, avez, vous arrive quoi, sérieux j'ai fait 50 cryptos. tu sais analyser une crypto que toi tu veux analyser je comprends pas bref certains vous devriez aller sur d'autres chaînes youtube je pense et je vais regarder le studio de Coin pour faire plaisir à sort parce que il a quand même il a quand même mis 12 millions de fois si tu as le mémo ce serait cool j'ai pas de j'ai pas de Désolé, excusez-moi, je crois que j'ai coupé ma vidéo. C'est une ICO. Ok, bon, bah, donc, je ne peux pas donner mon avis, les amis, sur une ICO, puisqu'on n'a pas de graphique. Oui, non, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. C'est beaucoup de travail d'analyser en direct comme ça. Je ne peux pas voir toutes vos cryptos, les amis. Soyez euh, raisonnables et respectueux du travail des gens. De là à parler de raciste, parce que je, je n'analyse pas ta crypto, mon ami. Tu ne me connais pas, tu ne peux pas savoir. Bah, je regarderai Crixor, en tout cas, si tu veux, je te donnerai mon avis dimanche lors de la vidéo d'analyse de la semaine. Je vais prendre le temps de regarder un petit peu le Student Coin et je vais regarder ça à première vue. Ok, je vais regarder, il y a un beau site. Je vais prendre le temps de regarder un petit peu le projet et je te donnerai mon avis dans la vidéo du dimanche. Il est temps de vous donner la, la pépite, les enfants. Voilà. Je vais vous donner ma petite pépite. Euh, c'est un projet, c'est là aussi un petit projet encore. Mais qui, je l'espère, deviendra un gros projet. Je vous en parle ou je ne vous en parle pas. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous n'avez pas envie, je coupe cette vidéo, vous me le dites. Est-ce que vous voulez la pépite ou est-ce que vous voulez pas la pépite Faites-moi un bordel dans le chat un petit peu. On a l'impression que c'est un chat euh, de. Euh, euh, je... Ah merci Chinini. J'ai l'impression que c'est le chat de, de, de qui veut gagner des de, de chiffres et des lettres là. Faites-moi péter les abonnés, tout le monde, faites-moi péter ce putain de chat-là. Allez, mettez-moi un message, mettez-moi un truc sympa. Voilà, Julien, la pépite. tu bon, t'es dedans, Julien, tu la connais. T'es dedans. Moi, bon, je, je vous en parle deux secondes. Euh, ici, en Andorre, il y a un projet de réseau social qui me plaît beaucoup. Ce réseau social s'appelle Olyseum. Euh, Olysium, c'est quoi C'est plusieurs joueurs de foot qui se sont associés avec des endorants, notamment Carlos Puyol, que vous connaissez, André Siniesta, que vous connaissez certainement, le Bitcoin, très bonne vanne. Yvan de la Peña, qui, lui, je crois que c'est de la moto. Et du coup, ils ont créé une application qui peut ressembler à première vue à TikTok. J'essaie de vous montrer. Je l'ai, bien sûr. Olysium qui va te permettre donc là on a Georges Martin qui est un pilote de moto qui va te permettre de rentrer en contact direct avec tes stars préférées donc là on a Iniesta tu peux suivre sa life et tu vas pouvoir interagir avec lui donc soit euh, lui mettre des likes soit par exemple acheter euh, le maillot de foot euh, un dîner avec lui et donc tout ça se passe avec euh, une crypto monnaie qui est à l'intérieur qui s'appelle le Oli qui est la monnaie d'échange à l'intérieur de l'application Aujourd'hui, il n'y a pas encore trop de stars, parce que c'est un projet qui démarre. Okay il y a déjà des grosses stars de foot. Quand tu regardes la roadmap, donc il y a des mecs qui arrivent, hein, euh, plein de stars. Il y a un joueur de foot champion du monde. De la pena, était joueur de foot, je, je ne crois pas. était joueur de foot. Ok. Bon, je crois qu'il était euh, joueur de moto, moi, je crois qu'il faisait des warriors. Ce n'est pas très grave, les amis. Il y a un joueur de foot qui arrive, qui a 87 millions de followers sur Instagram. Il y a une star qui arrive, Moto Racing Driver. Je peux pas vous dire qui c'est. Il y a un acteur. Ok, euh, je suis pas, je suis pas un fan de foot à fond, à fond, donc mes excuses. Merci en tout cas. Il y a une actrice. Il y a un champion du monde. 40 millions de followers. Et donc, si vous regardez cette roadmap, moi je connais personnellement les personnes qui sont derrière le holly. Alors, non pas les fondateurs, je peux pas les connaître, mais je connais euh, la personne qui est en charge des relations publiques. Je peux pas vous citer de nom parce que malheureusement, c'est interdit. Par contre, je peux vous dire qu'il y a du très lourd qui arrive. Quand je dis du très lourd, on est dans vraiment le haut du haut du haut du panier. Quand ces gens-là vont s'inscrire sur la plateforme, ils ont tellement de monde qui les suivent, 90 millions de followers. Tu te rends compte bah, Naturellement, bah, il va y avoir plus d'utilisateurs, plus d'éditeurs, plus d'acheteurs de la crypto qui sert de monnaie d'échange à l'intérieur, etc., etc. Et puis même le projet. Quand tu vois TikTok qui vaut 100 milliards de dollars, qui sert à rien, je sais pas si tu as TikTok, mais TikTok, ça sert à rien, clairement. À part, euh, voilà tu danses, tu... là, tu interagis avec les stars, tu fais ça. Imagine, ça prend le même chemin que TikTok, même on va dire 1% de la capitalisation de TikTok, la crypto, elle explose. Alors, attention, on parle de crypto-monnaie, ça peut être un flop, ça peut aller à zéro. Il faut en avoir conscience. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est sûr à 100% de 1000% des 100% euh, qu'on va aller à X dollars. Mais prends le temps de regarder la roadmap, prends le temps de regarder ce qu'on appelle le white paper, prends le temps de regarder les gens qui sont à l'intérieur. Il y a Carlos Puyol, Iniesta. Pour ceux qui connaissent un petit peu la sécurité, sécurité informatique, Kevin Mitnick, c'est peut-être l'un des hackers les plus, 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 plus connus dans le monde. Il y a des banques derrière, il y a des gens vraiment des gros gros businessmen. Euh, le Crédit Andorra qui est, euh, qui est une banque euh, Andorane, qui est l'une des plus grosses banques. Enfin, il y a du lourd derrière, il y a de l'oseille. Donc l'application elle est au début, bien sûr, il faut leur laisser le temps. Moi j'ai investi quand même pas mal d'oseilles à l'intérieur, je vous dis la vérité. J'y crois parce que pour moi les réseaux sociaux c'est euh, le, le top. On est au Minitel par rapport à Internet, vous voyez, aujourd'hui dans ce qui est DeFi, crypto, etc. Ça peut être vraiment un projet qui explose, mais ça peut être un projet qui va à zéro. Attention, je ne dis pas que c'est sûr à 100%. Pour l'instant, elle n'est pas sur Binance, parce que c'est un lancement. Pour l'instant, elle n'est pas sur Binance. Vous allez pouvoir la swapper directement sur Uniswap. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'acheter contre de l'Ethereum. Donc vous allez swapper. Voilà, je ne vais pas connecter à mon MetaMask. Vous allez swapper votre Ethereum contre du Oli. Donc, vous allez chercher le Oli. Et il y a encore pas beaucoup de volume, et encore une fois, ça peut faire un flop. Je le répète, il faut le faire en toute connaissance de cause. Mais ça, c'est mon petit cadeau d'aujourd'hui. Oli, pour l'instant, elle prend 17% aujourd'hui. C'est une crypto qui reste à peu près stable autour de 0,80, 0,70. Pour l'instant, vous allez pouvoir aller la chercher sur Uniswap. Vous allez sur Uniswap, vous reliez votre portefeuille MetaMask. Vous devez connaître, si vous ne connaissez pas Metamask, et bien vous allez chercher, vous tapez Metamask, vous vous inscrivez chez Metamask, voilà, vous vous faites un wallet, vous mettez de l'Ethereum dessus, et ensuite vous allez pouvoir échanger vos Ethereum, donc swapper contre vos holis. Naturellement, vous ne verrez pas vos holis tout de suite, il faudra ajouter le token dans Metamask, c'est vraiment extrêmement facile. Quoi qu'il en soit, moi j'y crois beaucoup. Là, je sais que demain vont être livrés aux gens qui ont investi comme moi leurs crypto aujourd'hui ne sont pas dans le marché classique. Donc moi, ce que je pense, j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont acheté même moins cher que moi, je pense que demain, il devrait y avoir une chute du fait qu'il y a beaucoup de crypto qui vont être libérés. Donc peut-être que pour vous, plutôt que d'investir tout de suite, peut-être que si demain, vous voyez un moins 15, moins 20, moins 30, moins 40, ça peut être l'occasion pour vous de vous positionner dessus. Encore, je répète, je connais la roadmap par cœur, 30 mars sont libérés des millions de coins aux investisseurs qui ont participé à la SEO dont je fais partie. Du coup, il euh, bah, y a des gens, on ne va pas pouvoir les empêcher de vendre. Ils ne sont pas tous une vision long terme comme moi. Et donc peut-être qu'ils l'ont acheté à 60 centimes, 50 centimes, 40 centimes, j'en sais rien. Et du coup, bah, ils vont vendre, ce qui peut paraître normal. Vu le peu de volume qu'il y a sur le lit, tu vois, y a, euh, il, il y a 452 000 euros aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait un gros qui vende demain. Euh, Boum, ça va chuter. Donc surveiller, encore une fois, on n'est sûr de rien. Ça peut faire un flop. Mais pour moi, un réseau social. Avec des stars comme ça, avec les stars que je connais, que je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'ils vont arriver, avec les, les, le monde hyper connecté, qui va pouvoir, voilà, le mec qui est fan de machin, il va pouvoir interagir avec lui, il va pouvoir acheter euh, son maillot, il va pouvoir euh, lui le faire plein de trucs en interaction. C'est génial. Pour l'instant, elle n'est pas sur Binance. Comment ça se passe pour mettre une crypto sur Binance Quand tu es quelqu'un qui fait une ICO, moi je suis en train d'en préparer une pour moi personnellement, je vous en parlerai en temps voulu sur la chaîne pour mon cold wallet. Je vous en reparlerai plus tard. Il y a deux solutions d'être sur Binance. Ou tu as une capitalisation extrêmement importante et la Binance te liste gratuitement, automatiquement. Ou tu payes Binance pour être dessus. L'équipe le, d'Olyseum a fait le, le choix de ne pas être sur Binance, de ne pas avoir à payer pour être dessus. Donc pour l'instant, elle se swap. Okay Donc il faut, tu vas sur Uniswap, tu prends tes Ethereum, tu le swaps contre du Oli. Et le jour où tu vends, bah, tu re-swaps tes Oly contre de l'Ethereum. Ce pas plus compliqué que ça. En tout cas, c'est un beau projet. Moi, c'est un projet que j'ai dans lequel j'investis. J'y crois à moyen long terme. Donc, c'est-à-dire que c'est une crypto que je vais garder plusieurs années. Euh, mais voilà, pour moi, on est là sur un projet qui peut vraiment aller là. Surtout quand les gens que vous serez en temps voulu diront qu'ils sont sur, euh, sur Oli le gros principe euh, ouais c'est qu'il y a un système de rémunération des followers, il y a un système de rémunération des stars qui sont dessus, il y a un système euh, tu peux acheter des, des objets euh, par exemple Iniesta je sais plus ce que tu peux acheter actuellement euh, je vais regarder tu peux euh, tu peux acheter euh, tu peux faire enfin tu as vraiment une interaction sympa attendez parce que là je suis en train de faire n'importe quoi euh, voilà là. Donc lui, par exemple, là, il va te donner un défi, il va te dire fais des jongles avec un bout de, une boulette de papier. Eh bien, tu peux lui répondre. Et lui, va dire ah, c'est qui qui l'a mieux fait. Donc, tu vois, quand tu es fan de quelqu'un, c'est vraiment cool. On est un peu finalement dans le même système que, que la petite crypto, le chili de la dernière fois. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est après, c'est mon avis. Hein. Encore une fois, je peux me tromper. Je peux me tromper. Ok, merci aux vidéos. C'est cool. Pour l'info. Merci. Donc voilà, je vous en parle. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'investir dedans, vous investissez dedans. Si vous n'avez pas envie, vous n'investissez pas. Mais euh, moi, je trouve le truc vachement sympa. Et euh, j'espère que ça ira dans les sommets. 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Euh, pourquoi pas En tout cas, c'est ma petite pépite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. J'ai essayé de vous donner un maximum de choses. Voilà, un maximum d'avis. Euh, vous avez eu euh, beaucoup de cryptos. On a acheté en direct la petite crypto pour les abonnés. J'ai suivi mon ami. J'ai acheté du fun, fun faire Je vais regarder un peu plus le projet, mais j'aimais bien. Euh, merci à tous. Alors merci, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Gunther, merci beaucoup Romain pour tes analyses au top. Je cartonne mon portefeuille depuis le début de l'année grâce à toi. Ça, c'est un commentaire magique, ça. Merci beaucoup. Merci pour l'info, ça a l'air prometteur. Projet super sympa, merci pour l'analyse. Connais-tu l'application Swissborg Bien sûr, je connais Swissborg évidemment. Euh, je connais bien Swissborg qui permet euh, de, le earning notamment. Euh, c'est Holly euh, pour OK. Le CRO. merci Roro, on t'aime. Moi aussi, je vous aime. Sans vous, je ne suis rien, les amis. Donc merci à tous. Super, merci. Bon bah, c'est bien que des que des que des jolis euh, jolis messages. Donc ça fait plaisir. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Il est 20h20. Moi, je vais me détendre un peu. Je vais faire une petite partie de CSGO. Les amis, voilà ce que je vais faire de ma soirée. Un ou deux petits 16 go, puis après, on va se mettre en canard dans le canapé. Je suis en train de re-regarder Breaking Bad, que j'ai regardé à fond il y a 4-5 ans. Je suis en train de repartir de zéro. Je suis à la saison 2, je suis en train de kiffer. Merci à tous, très belle soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager dans vos groupes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de contenu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye